pour un centre pour la jeunesse a été inauguré à Ninotminda, au Diyarbakır, cette région du sud de la Géorgie où la population arménienne vit dans des conditions de grande précarité en raison d'un contexte socio-économique très difficile, auquel s'ajoute un combat permanent pour conserver sa spécificité culturelle et linguistique. Les Arméniens du Diyarbakır sont aidés depuis quelque temps par des organisations de diaspora, en premier lieu le HOME, la Fédération des Croix de Secours Arméniennes, dont fait partie la Croix Bleue, et qui a mis en place un programme à destination de la jeunesse, principalement. C'est dans ce sillage qu'est née l'association France Diyarbakır, qui a financé le centre inauguré samedi dernier à Ninotminda, en présence notamment des invités de notre émission Art et Regard de ce jour. J'ai le plaisir de recevoir le président de l'association, Gilles Carapétian, bonjour. Bonjour. Et un immense plaisir de recevoir également le sénateur maire d'Alfortville, Luc Carbonas. Bonjour. Bonjour. Ajoutons tout de suite que le député René Rouquet était également présent à cette inauguration. Témoignage d'un intérêt pour le Diyarbakır et sa population, j'ai envie de dire un peu oublié de tous. Alors, Luc Carbonas, toute première question, qu'est-ce qui vous a conduit à entreprendre ce voyage ? Un coup de cœur. Un coup de cœur parce que l'association France Diyarbakır nous avait invités à leur première soirée, je crois que c'était le 19 avril 2013, où il y avait plusieurs centaines de participants. Avec René Rouquet, nous étions là à regarder cette projection qui était faite alors. Et puis, on comprenait très vite qu'il y avait dans cette province arménienne des personnalités, des associations qui cherchaient à construire un troisième équipement à destination de la jeunesse. Et puis, à Alfortville, on était concomitamment dans une période où moi-même, j'étais en train de construire une nouvelle école. Et je voyais les difficultés que moi, maire d'Alfortville, je rencontrais. Et puis, en écoutant le discours de Jiri, le président de l'association, je me disais, mince, il y a là quelque chose, c'est pas possible. On peut pas ne pas accompagner un process tourné vers la jeunesse. Donc, nous avons à ce moment-là très modestement la ville et le conseil municipal pris l'initiative d'accompagner par une subvention le processus porté par l'association France Diyarbakır. Et puis l'année d'après, donc il y a même pas maintenant 6 mois, nous avons participé à nouveau à la deuxième soirée. Et puis là, moi je suis quelqu'un qui a un rapport à la pierre et un rapport au projet de manière générale où je souhaite qu'on sorte des discours qui sont importants, mais qu'on soit aussi dans des actes pragmatiques. Et j'ai dit ce soir-là, je crois qu'il y avait au moins 400 invités, que non seulement la subvention qui, l'année précédente, était exceptionnelle, devenait pérenne, parce que voilà, on a eu le temps aussi d'apprendre à nous connaître, à voir les réalités de l'association en tant que telle. Et puis, j'avais dit, alors, avec mes collègues qui m'entouraient, que nous allions aller à Diyarbakır participer à l'inauguration de cet équipement, et c'est ce qui s'est passé très rapidement, ce que nous avons fait le week-end dernier. Alors, Gilles Carapétian, on a l'impression que c'est un coup de foudre que décrit Luc Carbonas quand il explique pourquoi ce soutien au Diyarbakır de la municipalité, et ensuite un soutien aussi personnel, puisque se rendre à l'inauguration, c'est une autre démarche encore. Bien sûr. Si vous permettez, je voudrais, au nom de l'association France Diyarbakır, je voudrais remercier très chaleureusement le sénateur maire Luc Carbonas et monsieur le député René Rouquet pour leur soutien moral et financier qu'ils nous ont apporté en organisant ce voyage en Arménie et au Diyarbakır le week-end dernier. Je voudrais également préciser que c'était la première fois qu'au Diyarbakır, il recevait une délégation de parlementaires françaises de cette importance. Donc cette initiative de la municipalité d'Alfortville prouve une fois de plus que les amis de toujours et les amis de longue date des Arméniens, René Rouquet et Luc Carbonas, sont présents à chaque fois que nous avons besoin de leur soutien, en France ou ailleurs, en particulier en Arménie. Merci à vous deux. Merci. Donc, l'inauguration de ce centre Ninotminda, un centre culturel que vous venez de nous expliquer un petit peu dans votre introduction. On va y revenir après en si détail, vous voulez, si vous voulez si bien. Vous voulez. Donc là, c'était plus un peu pour comprendre la motivation du sénateur maire d'Alfortville et également celle du député René Rouquet. Qu'est-ce qui fait que on va un peu au bout du monde quand on va au Diyarbakır? Quel sentiment vous avez eu quand vous êtes arrivé sur place, Luc Carbonas? Un sentiment d'un accueil extraordinaire. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Vous savez, quand on va dans des régions que l'on connaît pas ou dans des pays que l'on n'a jamais visités, on est souvent, quand on a l'habitude de voyager, surpris de rencontrer finalement des femmes, des hommes qui ont à cœur de vous faire partager leur lieu de vie quotidien. Chacun au niveau qu'il le peut.
Mais en tous les cas, la première chose que j'ai reçue quand on est descendu du bus, c'était beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui avaient à cœur de préparer l'inauguration dans les meilleures conditions. D'un côté, je prépare avec les ballons, je mets la sono, il y avait un spectacle organisé. Beaucoup, beaucoup de médias qui étaient là. Les autorités religieuses qui avaient fait d'Arménie qui avaient fait le voyage pour baptiser et honorer l'équipement. Donc voilà, c'était tout de suite, j'ai eu le sentiment que j'étais quasiment, je l'ai dit d'ailleurs, en famille. Et il y a beaucoup de chaleur. Vous savez, vous connaissez mes origines, mes grands-parents paternels viennent d'Izmir. Je me sens à la maison en fait quand je vais en Arménie. Je me suis senti à la maison. Quand j'étais à Djavar et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà, c'est un coup de cœur. Sauf que Gérald Karapetian le disait à l'instant, c'est rarissime pour eux de voir des parlementaires ça m'a surpris. De France et en général de l'étranger. Général. Je pense qu'au Djavar, c'était la première fois. Voilà. Donc vous avez peut-être aussi été accueillis comme. Ça m'a surpris. Je pensais pas sincèrement quand on a fait la démarche, c'était pas pour être les premiers, qu'on soit clair. Par contre, puisqu'on a raccroché la délégation qu'emmenait le président du groupe socialiste Bruno Le Roux en Arménie, qu'on a rencontré le vendredi matin Dans le cadre du centenaire de l'assassinat de Jaurès. Voilà, exactement. Oui. On a rencontré l'ambassadeur de France et puis on a rencontré le président. Enfin, avec eux, j'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale arménienne, Bruno Le Roux. A tout de suite eu à cœur, dans le discours, dans les échanges, de dire, bah voilà, je suis aussi accompagné par la délégation d'Alfortville, qui va aller dans la province arménienne du Djavar, en Géorgie demain, parce que la coopération telle qu'on l'entend, elle continue à se développer au-delà même des frontières de l'Arménie, de la relation franco-arménienne. Donc j'ai eu le sentiment aussi que chez Bruno, il y a eu cette envie de dire, il se passe quelque chose, et je pense qu'on est au début, justement, d'une nouvelle belle aventure et de relation d'amitié entre le Djavar, la France, la Géorgie et la France, et si on peut y contribuer sur le plan politique, sur le plan associatif, eh ben tant mieux. Et si ça fait boule de neige, eh ben encore plus, tant mieux. Alors effectivement, c'est une porte qui s'entrouvre. Ça fait des années que les Arméniens du Djavar vivent dans des conditions très difficiles, mais ce n'est que récemment que des associations ont décidé de leur porter un soutien principalement moral, parce que c'est très important savoir, j'imagine. Donc dites-nous, Gilles Karapetian, les retours que vous avez. Déjà de savoir qu'en diaspora, en l'occurrence en France, il y a des associations qui se préoccupent, sans parler du financement ensuite qui est apporté, c'est important. Bah, nous étions 8 dans cette délégation française, de l'association Franche-Djavar. Donc, il y avait aussi des délégations des autres pays, d'Iran, du Liban, les associations sort de Franche-Djavar locaux. Donc, c'était très agréable de rencontrer les associations sobres de Franche-Djavar sur place pour voir qu'ils travaillaient aussi bien pour la réalisation de cette maison. Voilà, donc les Arméniens du Djavar savent aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls. C'est déjà important. Maintenant, dans un second temps, bon, c'est bien le soutien moral, mais vous l'avez dit vous-même, Luc Carvounas, les discours, c'est bien, mais moi, la pierre, j'y tiens. C'est clair. Donc, symbolique, c'est important, évidemment, mais concrètement, aujourd'hui, ce soutien s'est manifesté avec l'inauguration de ce centre. Mmh. Alors, vous le disiez, la jeunesse était présente, on sentait vraiment un enthousiasme. Effectivement, on imagine à quel point c'est une étape importante dans la vie des Arméniens du Djavar que l'inauguration de ce centre. On va le présenter peut-être, Gilles Karapetian, ce centre, à nos auditeurs qui ont peut-être pour certains contribué à son financement. Écoutez, nous avons commencé à travailler sur ce projet depuis 2009. Donc, on a trouvé le bâtiment qu'il fallait, qui était adapté à nos besoins. Mais malheureusement, pour les raisons politiques, ça retardait un petit peu l'enregistrement officiel de ce centre auprès des autorités géorgiennes pour avoir la possibilité de commencer les travaux nécessaires de réhabilitation de ce bâtiment. Et finalement, on a eu la possibilité de commencer des vrais travaux et tout est rentré dans l'ordre récemment, justement il y a 2 ans à peu près. Donc ça a traîné un petit peu, ça a accéléré depuis 2 ans. Et nous, là, automatiquement, on a eu la possibilité de faire appel à la communauté arménienne de France pour nous apporter leur soutien financier. Et nous avons financé
à moitié avec l'association Aide au Djavark des États-Unis de côte ouest de Californie pour l'achat de cette maison que vous avez vue. C'est vraiment remarquable. C'est un bâtiment qui fait sur deux étages, plus le sous-sol qui pour l'instant n'est pas aménagé, qui a été rénové entièrement, la toiture, la façade, toutes les fenêtres sont changées, le système de chauffage est entièrement rénové, c'est récent. Donc je pense que Luc a remarqué que vraiment la décoration, l'intérieur, l'aménagement, ça a été fait vraiment très bien. Donc, les équipements, tout ça, c'est vraiment top, tout ce qu'on a remarqué sur place. Mais, alors, ça peut paraître dérisoire comme détail, hein, quand on les présente comme ça, de dire le système de chauffage, c'est refait, les fenêtres. Ce qui est banal ici, ne l'est pas là-bas. Quel regard vous portez, justement, sur la rénovation d'un centre dédié à la jeunesse dans une région comme le Djavark? Merci de me tendre la perche, parce que je voulais effectivement compléter tout ce que disait le président sur ce sujet-là. Moi, je le dis à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, hein, parce qu'on se dit, bon, j'espère qu'on va inviter aussi quelques-uns à ouvrir l'Atlas pour aller regarder où est cette province en Géorgie. Ça nous emmène très loin, vous le disiez, mais du coup, avec nos repères à nous, occidentaux, français, on se dit, oulala, qu'est-ce qu'on a réhabilité au final? Moi, je le dis, hein, j'étais estomaqué par le bâtiment qu'on a inauguré. Avec des matériaux d'une noblesse, d'une qualité. Moi, je l'ai dit aux représentants géorgiens, comme maire, je jalousais presque un équipement pareil en imaginant de pouvoir avoir dans ces matériaux-là ce type de bâtiment Alpha-Mille. C'était d'une grande qualité. Et en plus, c'est le troisième bâtiment qui est là pour aussi émailler sur le territoire du Djavark toute la culture, les valeurs arméniennes, parce que c'est important. Et en même temps, ça nous a permis aussi d'aller visiter les deux autres centres. Et de voir que, finalement, le dernier bébé était le plus structuré et qu'il y a encore du travail à faire de réhabilitation pour les deux précédents. Il y a un travail à développer pour un quatrième, un cinquième centre. Des équipements d'une extrême grande qualité. Hein. Je veux vraiment insister. Hein. C'est un magnifique équipement dans la commune où nous étions et je pense qu'il y aura une utilité. Enfin, on va voir tous les jeunes qui nous ont attendus. Ils ont compris que c'était fait pour l'objectif eux. L'objectif de ce centre, c'est de proposer un lieu pour la jeunesse de Notsminda, pour la jeunesse d'activités, de rencontres, d'avoir la possibilité d'apprendre la langue géorgienne, français, anglais. De développer, d'initier un petit peu sur l'histoire du peuple arménien, parce que dans les écoles publiques, malheureusement, l'enseignement de l'histoire du peuple arménien est réduit, et donc il y aura des activités artistiques, folklorique aussi, bon. Danse, il y avait musique, danse, un petit peu comme on le connaît chorale, ici dans les maisons de la culture arménienne. Il y avait une salle magnifiquement aménagée c'était une salle d'informatique avec une dizaine, plus de dizaine d'ordinateurs qui étaient vraiment bien équipés. Donc d'ailleurs, moi je voudrais préciser qu'on a fait une donne de deux ordinateurs sur place aussi. Donc on a financé en plus de tout ce qu'on avait versé pour la réalisation de Java. Donc on a offert deux ordinateurs aussi. En même temps, avec la délégation d'Alfortville, c'était le cadeau de la ville. Il y avait une centaine de bracelets de clés USB qu'on a ramené d'ici avec le logo d'Alfortville pour distribuer à trois centres. Parce que, au fait, on a donné ça comme cadeau au centre de Nimnosminda, mais finalement, on a décidé de distribuer ça un peu à toutes les trois centres existants au Java. Oui, les autres centres se trouvent à Ralsarer. Ralkalak, donc a été inauguré en 2005, et le centre de Akhalsakha qui a été inauguré en 2007. Mais qui ne sont pas cette fois-ci des projets de France Djavark. Non, pas pour l'instant. Donc ce sont des projets qui sont côte à côte et qui montrent qu'il y a effectivement un soutien un peu généralisé aujourd'hui en diaspora, puisque vous disiez il y avait beaucoup de médias, Luc Carvonas. Ouais. Effectivement, on a pu voir le reportage réalisé par Yelgil Media, la télévision arménienne Yelgil Media. Des seniors Alfortvillais m'ont déjà parlé hier matin quand ils partaient pour Mou. Ils vous ont vu à la télé. Semble-t-il. Ça a été projeté sur la télévision arménienne, diffusé sur la télévision arménienne. On peut voir cette vidéo qui circule maintenant sur YouTube. Et on a vu à vos côtés, vous êtes interviewé, également la présidente du
home d'Iran qui était présente pour cette inauguration. L'Iran du Sud, oui. Et voilà, vous disiez, il y avait aussi des représentants d'organisations, d'autres organisations arméniennes de diaspora. Donc ce sentiment d'être comme ça dans une action collective, ça aussi, j'imagine que ça vous parle, Lucas. Ça a été beaucoup souligné le soir quand nous avons tous dîné ensemble. Ce qui a beaucoup touché les autorités locales, c'est de voir que en un même moment, en un même jour, différentes nationalités sont venues pour le même projet. Ça les a énormément portés, ça les a touchés, je crois, dans leurs fondamentaux, et ça leur donne aussi l'élan de continuer. Et c'est, moi aussi, sincèrement, d'avoir vu des personnalités venant du Liban, venant d'Iran, venant d'Arménie, nous-mêmes, nos amis des États-Unis, nos amis géorgiens qui étaient là, je me dis, bon, voilà, ça a du sens. Et ça a du sens aussi quand la communauté internationale convergent sur des projets qui sont tournés, encore une fois, vers la jeunesse en général. Donc, moi, je suis très, très, très heureux. Et vous savez, nos collectivités, elles n'ont pas des milliers et des cents. Malheureusement, ça se saurait. Mais j'en profite d'être à l'antenne pour dire que nous avons des projets que l'on peut porter presque assez facilement. J'ai été interpellé quand nous avons visité les deux précédents centres par la salle dite bibliothèque, où il y avait finalement peu de livres dans les étagères. Et je m'étais dit, je te disais, Jerry, qu'est-ce que tu fais comme projet? Je pense qu'on peut, là aussi, très modestement, porter très rapidement un projet d'ordre culturel et essayer de faire livrer des ouvrages. Des ouvrages, je suis prêt à accompagner cela pour garnir les étagères de ces bibliothèques-là, parce la lecture, les livres, chacun comprend que ça participe à la construction d'une citoyenneté et de nos jeunes enfants, où qu'ils soient. Alors, j'ai envie de dire que là, pour l'instant, on a effleuré le sujet, puisqu'on est sur la façade, on est sur le centre. Mais le fond du problème, on le dit, aider les Arméniens du Djavark à surmonter leur quotidien difficile d'un point de vue socio-économique, mais également culturel et linguistique. Je le disais en préambule, vous avez évoqué le sujet, Gilles Carapetian, en disant qu'on enseignera dans ces centres, on enseigne dans ces centres la culture arménienne, l'histoire arménienne, parce qu'elle n'est pas enseignée aujourd'hui dans les écoles. Il y a effectivement aujourd'hui un vrai problème concernant la minorité arménienne de Géorgie, qui doit faire face à une suppression des heures de cours de langue arménienne, d'histoire arménienne dans les écoles, au nom d'une volonté de géorgianisation de la société du Djavark, de la population du Djavark, l'idée étant, à terme, d'effacer la spécificité arménienne de cette région. On ne l'a pas dit, mais nos auditeurs le savent, enfin on peut le rappeler, c'est une région, c'est une terre arménienne, c'est la frontière de l'Arménie. En l'époque soviétique, les Arméniens du Djavark n'allaient pas se faire soigner dans la capitale géorgienne, ils allaient à Yerevan. Enfin, disons que pour eux, ils ne traversaient même pas la frontière, c'était un tout. Alors, concernant cette politique de la Géorgie, qui a pourtant signé la Convention européenne concernant la préservation des minorités, notamment les langues, et qui refuse aujourd'hui de reconnaître la langue arménienne comme une langue officielle, comme le demandent les Arméniens de Djavark, alors que dans le même temps, bon, la politique européenne de sensibilisation aux ex-républiques soviétiques fait qu'elle tend la main à la Géorgie, comment est-ce qu'on arrive à faire entendre la voix des Arméniens du Djavark au milieu de tout ça? Vous l'avez dit, vous savez bien mieux que moi, le Djavark, avant 1921, c'était l'Arménie. Et pour des raisons de politique, géopolitique, ce territoire a été annexé, donné par Staline à la Géorgie. La Géorgie qu'on connaît aujourd'hui. La Géorgie, c'est quand même un pays qui est traversé par beaucoup de communautés. C'est une situation politique très particulière. Dans l'échange que l'on a eu l'après-midi avec les responsables dans les locaux du Home, il n'y a pas chez eux la revendication, qu'on soit clair, d'une autonomie. C'est pas ce qu'ils cherchent. Du tout. Ils cherchent à pouvoir être reconnus dans leur culture, dans leur arménité, dans leur langue comme telle. Et ne plus être cette province qu'ils considèrent être un peu la province pauvre, délaissée de la Géorgie. Objectivement, quand on a traversé ce que l'on a traversé, on ne peut pas dire qu'il y a aujourd'hui, de la part des pouvoirs publics au niveau de l'État, une main à la pâte suffisamment conséquente pour que je dise que tout va bien dans la province. Ce n'est pas vrai. Donc on voit bien qu'il y a un décalage. On est allé en d'autres endroits, il y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage. Donc aujourd'hui, ce qu'ils attendent de la communauté internationale de visite comme celle que l'on a eue, c'est de pouvoir les accompagner dans leur discours politique dans le cadre de leurs relations et de leurs échanges sur le plan national géorgien,
de pousser à pouvoir imaginer demain un État fédéral qui pourrait permettre, pour le coup, à chacune et à chacun de se respecter dans ce qu'il revendique de vouloir être face à son histoire. Je pense que nous pouvons aider à ça. René Rouquet est le président de la délégation française au Conseil de l'Europe. Ça a du sens. Il se déplace beaucoup dans les pays de la communauté européenne. On est à un début de quelque chose. Mais encore une fois, on n'est pas dans des mêmes situations. Et heureusement, hein, comme au Haut-Karabakh, c'est pas les mêmes sujets. Par contre, il y a là, sur 250 000 habitants, sur les 250 000 habitants du Jabar, c'est 85% d'Arméniens. Donc, il y a quand même une nécessité d'accompagner. Après, il faut prendre un début de quelque chose officiel en termes de dialogue. Et c'est pour ça que, finalement, la concomitance, c'était pas voulu comme telle. Mais avec la délégation de Bruno Leroux, quand on est avec l'ambassadeur de France le vendredi matin, avec le président de l'Assemblée arménienne, enfin, dans la même journée, bon, tout ça a du sens pour mettre des premières pierres à cet édifice. Il faut pas se gargariser d'une seule journée dans le Jabar ou d'une Bien journée sûr. Et demie. Hein. Mais vous voulez dire que c'est audible comme combat aujourd'hui dans le Capharnaüm que l'on connaît, dans le chaos que l'on connaît. Ce sera compliqué, il faut le dire. Général, hein, ce sera compliqué. La situation géorgienne est compliquée d'une manière générale. Et au-delà, dans tous les conflits qu'il y a aujourd'hui. Voilà, vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui même avec les annonces du président américain vis-à-vis de la Syrie. On est sur une situation extrêmement compliquée. Il faut prendre en compte la situation géopolitique mondiale telle qu'elle est, et encore plus dans ce coin du monde. On peut pas agir n'importe comment parce qu'on a la main sur le cœur, mais il faut aussi accompagner et entendre les revendications. Donc ça s'appelle la diplomatie. Et la communauté internationale doit, comme elle l'a toujours fait, jouer pleinement son rôle. Alors, Gérald Karapetian, comment on fait justement pour faire entendre la voix des Arméniens du Jabar, la même question un peu que je posais à Luc Carvonas, alors qu'on a envie de dire les élus, les grands de ce monde ont aujourd'hui d'autres préoccupations, alors que, bon, vous le disiez, c'est pas la même situation qu'au Karabakh, mais à terme, ça pourrait être la même situation qu'au Nakhitchevan, où les Arméniens ont complètement disparu, mais sans bruit, à bas bruit, c'est-à-dire un effacement comme ça, au fil du temps. Le premier objectif de l'association France-Jabark, d'abord c'était ça, d'informer les Arméniens en général partout dans le monde de la situation qui se trouve aujourd'hui la population arménienne du Jabark, et mettre le doigt surtout sur les caractères de l'État géorgien qui jusqu'à maintenant exerçait une politique de ségrégation vis-à-vis de la population arménienne du Jabark. Nous essayons d'abord d'informer. C'est notre rôle, et en même temps d'apporter notre soutien moral et financier au projet qu'ils réaliseront sur place. Moi, j'ai été surpris. Vous comprendrez que, étant parlementaire, membre de la majorité présidentielle, je mesure mes propos vis-à-vis de nos amis géorgiens. Mais j'ai quand même été surpris par le peu de présence des autorités politiques. Le député de la région est venu nous saluer. Le maire n'était pas là. Le vice-maire était là, et un conseiller municipal. On sentait quand même de leur part l'envie de venir nous saluer politiquement, mais surtout l'envie aussi de ne pas rester trop longtemps. Je ne sais pour quelle raison, peut-être sous quelques pressions. On sent qu'il y a une forme de malaise quand même politique. Donc ça, on l'a décelé physiquement au moment de l'inauguration. Mais vous parlez d'élus et de maires arméniens. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ils ne veulent pas rester près de vous? Comment vous l'expliquez, vous, Gérald Karapetian? On a eu deux élus. Il y avait le député de la région de Dar el-Kalak à l'Assemblée nationale de la Géorgie, qui était présent sur place, qui nous a salués. On a pris quelques photos avec lui devant les journalistes. Il y avait le maire adjoint de la ville de Minyos Minda qui était présent aussi, également. Mais malheureusement, ils sont partis très tôt. Très tôt. Trop tôt, ils ne sont même pas participés à l'inauguration de la maison. Notre rencontre, c'était sur le trottoir juste en face de la maison.
Vous pensez qu'ils ne souhaitaient pas être vus trop longtemps responsables, les organisateurs. Je ne peux pas m'exprimer, mais ils sont partis trop tôt. Tout à fait. Bon, donc ça montre quand même qu'il y a des difficultés. Un malaise. Un malaise. Et peut-être des craintes aussi pour ces élus que l'intervention de l'organisation de la diaspora en Haut-Jabbark puisse être mal perçue par les autorités L'avenir nous le dira, puisque j'espère que nous allons effectivement faire boule de neige. Après, on verra ce qu'il en sera. Je ne l'imagine pas, mais on a quand même senti, vous savez, hein, je suis moi-même élu, quand je ne souhaite pas participer à une manifestation parce que je ne veux pas m'afficher avec, notamment quand nous étions dans l'opposition, des ministres qui ne sont pas de ma famille politique, bah voilà, on n'y va pas. Mmh. Donc, en Géorgie, comme dans tout le monde politique en général, tout ça se passe de la même manière. Donc, tout ça a été pour nous des indicateurs. Alors, pour revenir à cet événement, souligner quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un coup d'accélérateur ces deux dernières années, même si pendant quelques temps, bon, ça a stagné. L'association France Jabbark menait un peu un travail fourmi, un peu dans l'ombre. Grâce aux soirées que vous avez organisées, il y a eu un coup de projecteur dirigé sur l'association, sur ses actions, et donc sur le Jabbark, puisque c'est ça l'objectif. Donc, c'est porteur d'espoir. On voit que ça a bien bougé ces derniers temps, donc ça ne peut aller que dans le sens de l'évolution, même si ça a pris du temps. On pense qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est sur les rails que ça va? J'espère bien pour les prochains projets. Quel regard vous portez justement là-dessus? On dit toujours que d'un coup ça s'accélère. Les petites gouttes d'eau font les grandes cascades. Moi, j'ai été surpris dès la première année en 2013 par le nombre de participants. Dès la première soirée, c'est pas 30 ou 40 personnes, il y en avait au moins 300. Donc on sent bien qu'il y avait quelque chose qui était bien plus profond que simplement cette première fois. Et puis cette année, il y avait encore plus de monde. Il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait encore plus de monde, je dirais, l'année prochaine. On va continuer. Et puis il faut surtout des projets. Il faut du dialogue sur la scène diplomatique. Il faut qu'on ait les relais pour ça, mais je suis pas trop inquiet parce qu'on a déjà des personnes idoines, notamment avec René Rouquet. Et puis il faut des projets parce que la sensibilisation à ce type de situation ne peut se faire que par rapport à ce qu'on fait là ce matin sur la base de projets, de déplacements, des choses qui ont du sens, qui prêtent à l'oreille de celles et ceux qui nous écoutent. Donc pour l'instant, le centre de la jeunesse est sur les rails. Tout à fait. Hein, il a été inauguré, mais il était déjà ouvert au public ou pas? Non. Parce qu'en général, les inaugurations, parfois, elles ont lieu après. La rentrée, c'était le début de septembre. D'accord. Et l'inauguration, c'était le 6. On s'est déplacé dans le cadre de leur agenda. Tout à fait. D'accord. De leur agenda. C'était pas une fausse inauguration. C'était une vraie inauguration. On s'est calé sur leur agenda. Voilà. Bravo, donc vous avez coupé le ruban, on a pu voir effectivement dans la vidéo, toute la symbolique a été respectée. Alors on va poursuivre cette émission un peu en poursuivant le déplacement que vous avez effectué quand vous êtes allé sur place, puisque vous avez donc accompagné la délégation parlementaire qui était en Arménie pour le centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès, un voyage organisé par la FRA et le Bureau français de la cause arménienne. Vous étiez-vous à côté, dedans? Enfin, vous avez fait partie de la délégation au départ. Voilà. Et vous êtes allé au Jabbark, mais vous êtes allé aussi à Oshagan, ville jumelée avec Alfortville. Bien sûr. Vous ne pouviez pas aller jusque là-bas. En fait, l'un accompagnait l'autre. C'était un voyage. Tout était lié. Voilà, lié à ce déplacement au Jabbark. Alors à Oshagan, j'ai envie de dire, on est chez nous. Ouais, vous étiez vous. On est chez nous, comme nos amis d'Oshagan sont chez eux à Alfortville. Nous avons évidemment vu le maire, nos amis. Nous avons été reçus par 300, 400 gamins de l'école qui nous attendaient. Alors là, un accueil formidable. En plus, on était un petit peu en retard, donc les pauvres étaient à nous attendre. Et on a surtout pu constater les travaux qui avaient avancé dans l'école. Toutes les huisseries ont été changées. Donc on a fait un bond en avant. On a rencontré les architectes qui nous ont dit aujourd'hui quelle était la nouvelle tranche en attente, la réhabilitation maintenant du corps du bâtiment, mais en interne. Donc voilà, on a pu aussi aller à nouveau avec nos amis qui se déplaçaient pour la première fois en Arménie sur la sépulture de Saint Mesrop. Et ça m'a permis de dire au curé qui est le gardien
éternel de Saint-Mésrop, de l'inviter en avril prochain, parce que lorsque nous inaugurons le groupe scolaire Kevork Arabian, moi je souhaite que le curé qui du matin, midi et soir garde la sépulture de Saint-Mésrop puisse être à nos côtés. Je trouvais que ça avait du sens. Oui. Donc j'en ai profité, on a pris ses coordonnées avec Karine Daxi, et j'espère qu'il sera à nos côtés, lui qui accueille nos élèves, nos enfants d'Alfortville, et qui les amène sur ce tombeau. Voilà, la symbolique est importante à mon sens. Et puis, au Djavar, parce que quand je me déplace, je regarde toujours ce qui se passe dans toutes les villes. Où qu'elles soient, il y a des bonnes idées partout, et puis des choses qui peuvent vous toucher. J'ai vu une belle statue de Saint-Mésrop, et je me disais qu'il fallait que l'on trouve un moment pour discuter avec les bonnes personnes, comme on a toujours su le faire à Alfortville, pour voir où on pourrait, demain, déposer, inaugurer une belle statue de Saint-Mésrop qui sera un marqueur symbolique supplémentaire de notre communauté de vie. C'est Alfortville à 129 ans. Je rappelle toujours l'âge de notre commune. L'année prochaine, nous ferons les commémorations du génocide arménien un siècle. Et l'histoire d'Alfortville s'est construite sur des faubourgs et à partir de l'arrivée d'Arméniens qui aujourd'hui sont les familles d'Alfortville. Donc tout ça a du sens. Moi, je veux pas que, évidemment, l'école Saint-Mésrop d'hier, qui va devenir le groupe scolaire Arabian demain, on peut pas effacer l'identité de Saint-Mésrop, mais ça me nuise. Donc, ma responsabilité, c'est de poursuivre le travail que nous avons fait jusqu'à présent avec la municipalité hier de René Rouquet, avant-hier de Joseph Franceschi. Et je souhaite qu'on inaugure cette statue. Comme vous parliez de Jean Jaurès, nous ferons le 6 septembre prochain l'inauguration sur la plage Jean Jaurès, d'une belle statue de Jean Jaurès de 2 mètres sur pied, qui sera là aussi un bel indicateur symbolique de la reconnaissance d'Alfortville vis-à-vis de cet homme qui a été si important dans notre histoire. Et pour l'histoire des Arméniens. Alors, Saint-Mésrop restera toujours Saint-Mésrop, puisque l'inauguration du centre complexe scolaire, collège, primaire collège, s'accompagnera du développement de la partie maternelle à l'école Saint-Mésrop. J'espère bien. Qui aura donc sa statue pour rappeler, pour honorer son nom, on va dire. Alors, à Oshagan, effectivement, vous parliez des rénovations qui ont été mises en place en partenariat aussi avec des associations locales. Je pense notamment à la Croix-Bleue qui a financé les lits pour l'école maternelle. Donc là aussi, on a un synergie. Assemblage. Voilà, une synergie. Complètement. C'est évidemment avec la synergie de la Croix-Bleue arménienne, les autorités locales, la ville d'Alfortville, les associations alfortvillaises. C'est un mix de tout ça qui permet une communion de projets. Alors là, il faut quand même mettre l'accent aussi sur l'engagement de votre prédécesseur, hein, René Rouquet. Immense. Immense. Alors, moral, humain, mais financier aussi, puisque une partie du budget consacré à Oshagan vient de sa propre réserve parlementaire. Ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux l'an dernier. On a découvert que René Rouquet avait consacré les 130 000 euros de sa réserve parlementaire à la ville d'Oshagan, et que rattrapé par les textes qui interdisent que l'ensemble soit versé, a décidé cette année pour 2014 de ne verser que, entre guillemets, 80 000 euros. Un bel effort financier qui témoigne de cette volonté de poursuivre un projet lancé précédemment avec la région d'Ashtarag, qui s'est transformé ensuite au fil du temps avec le jumelage avec Oshagan. Alfortville s'inscrit évidemment dans une relation. C'est un vrai effort, et puis en même temps, c'est suffisamment rare, je vous remercie de le dire, hein, pour être souligné, peu de parlementaires consacrent toutes leurs réserves parlementaires d'une hauteur de 130 000 euros en moyenne pour tous, députés et sénateurs, vers un seul et unique projet. Et avant que ce soit fait, nous en avons parlé, René Rouquet et moi, parce que ça n'aura échappé à personne, nous étions dans une période de renouvellement électoral. Et moi, je me souviens que sur les réseaux sociaux, certains, mal intentionnés, ne comprenaient pas pourquoi l'ancien maire d'Alfortville, toujours à l'époque conseiller municipal, donnait toute sa subvention à destination de ce seul projet. On l'a assumé, lui et moi, ensemble, et je pense que ça participait à l'intérêt majeur que revêt, de toutes les manières, l'école de Chagas. Je parlais des plusieurs centaines de gamins que nous avons accueillis. Voilà, le jumelage, ça doit avant tout être destiné vers les jeunes générations. Effectivement, sur cet aspect d'Oshagan, Gérald Carapétian, France Djavar, qui est une association aussi qui s'inscrit dans la vie associative de la ville, bon, ça va dans le même sens que le soutien apporté à France Djavar. Bien sûr, bien sûr. Nous, on était vraiment agréablement surpris quand on était à Oshagan. L'accueil,
des enfants, de mères et toute la population. Et bien sûr qu'on ouais. est... Ah, pour l'anecdote, René Rouquet est quand même l'homme le plus connu hein, aujourd'hui. Ah, c'est plus qu'une anecdote. Pas que à Oshaga, non plus. Hein. Ah non, pas que à Oshaga. Je vous le confirme. Il n'y a pas une seule en autorité, ouais. qu'elle soit française par la bouche de l'ambassadeur, qu'elle soit arménienne, qui ne cite le nom de René Rouquet. Que ce soit clair, je ne dis pas ça parce que c'est mon ami et mon prédécesseur. Je dis ça parce que c'est la réalité. Mmh. Pas une seule personnalité, tout le monde le cite en exemple. Le président de l'Assemblée arménienne a souhaité qu'il soit le porteur d'un projet. Il l'a nommément cité devant Bruno Le Roux au titre du Conseil de l'Europe. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand il nous a rejoint le vendredi soir, j'ai dit, mais ici, t'es une star. Il a souri parce que chacun sait que c'est quelqu'un de très humble. Il ne le dit pas. Peu, voire pas du tout de tout cela. C'est quelqu'un qui a toujours eu une action au service des autres, qui s'est attaché à l'histoire de l'Arménie et de sa communauté. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Et il a mis plus d'un quart de siècle de sa vie à ce service-là, et c'est pas fini. Et il était important de le souligner. René Rouquet est invité, bien sûr, à participer à cette émission ce matin. Il n'a pas pu se joindre à nous, donc on voulait quand même... vous avez bien fait. Tirer notre, comment on dit, chapeau, oui, chapeau, c'est ça, oui. à cette action. Mais attention, il ne faut pas laisser entendre que c'est fini, hein. Il continue non. à travailler. Hein. Et justement, vous le disiez tout à l'heure, en tant que député, vice-président et du président Conseil de, l'Europe, voilà. de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, un travail de chaque instant qui peut être mené auprès des instances européennes pour, alors là on revient au Djavark, hein, faire entendre la voix des Arméniens du Djavark, dans ce concert des nations de plus en plus difficile, hein, donc là, les Arméniens de Djavark peuvent espérer être soutenus. En tout cas, vous l'avez montré, vous, sénateur maire d'Alfortville, Luc Carvounas, en vous rendant sur place, un vrai coup de cœur, qui va se poursuivre. Donc, on vous souhaite bonne continuation à vous, merci. France Djavark, à vous-même, Luc Carvounas, dans et à vos actions. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Au revoir.